Du 23 au 27 septembre 2013, au 93e régiment d'artillerie de montagne, s'est déroulée l'exposition « Portrait » de l'adjudant-chef Corbillon. Les œuvres et l'artiste ont été mises à l'honneur par le colonel Xavier Renard. Suscitant un grand intérêt, les œuvres réalisées uniquement au stylo bille, demandant parfois plus de 100 heures de travail, sont la matérialisation concrète et artistique des émotions d'un militaire au cours de ses missions. Je connaissais plusieurs facettes chez l'adjudant-chef Corbillon, j'en découvre une nouvelle, celle d'artiste. Et je suis très impressionné par le travail qu'il a réalisé et la qualité de ses dessins. J'imagine aussi que le temps qu'il passe, c'est aussi un moyen pour lui de s'évader et de trouver une façon de vivre, une façon de s'aérer l'esprit. Je réalise que je n'ai pas forcément conscience du talent que je peux avoir éventuellement. Et je suis content de voir que les gens sont très réceptifs à ce que je fais. Très surpris de savoir que c'est fait au stylo bic, quoi. Et non, je suis très 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 heureux. Très heureux de pouvoir exposer au régiment. Mes missions, hein, tout le vécu que j'ai en tant que sous-officier de l'armée de terre, a eu une incidence sur mon travail, sur ce que je dessine. Parce que bien évidemment, une carrière militaire, c'est fait que de rencontres et de belles expériences humaines. Aujourd'hui, je sais que le dessin a pris une importance chez moi parce que au retour de ma dernière mission à Afghanistan, le dessin m'a permis de... Une mission qui a été particulièrement difficile. Je sais aujourd'hui que le dessin m'a permis d'avancer, de me redresser. Merci à vous tous.